Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on sera sur le serveur de Monsieur Rat Super, Armor for Life. On sera en police et donc le type de la patrouille, ça sera une patrouille raid. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch, qui est bien sûr dans la description, hein, le lien. Je vous souhaite donc à tous une bonne vidéo et une bonne journée. D'abord, on tire par en haut là. Non, mais j'aurais la préfecture. Mais ouais, c'est pas top. Scar d'avant. Allez, écoute. Donc, il reste 3 préfectures à Néo-Bricorne. Et c'est marché. Lourde. Je vais négocier, je vais négocier. Oh, voilà. Très bien, monsieur, on va faire venir un dispositif. Car le raid. Okay. Ah, écoute. La personne veut négocier pour information, donc on demanderait un négociateur, s'il vous plaît. Et c'est merci parce qu'il y a une unité qui n'est pas en contrôle total actuellement. Négatif, on le voit. Bravo, deux scars. Transfert. Est-ce que vous êtes disponible? Bah non, on est sur le barrage de Cécile, Oscar. Qu'est-ce que c'est? Il y aura la sécurité qui va venir, donc Oscar de Red. Bravo pour lever au niveau du barrage de Cécile, hein, s'ils ont posé leur plot. Hein. De toute façon, il y a la sécurité qui ne devrait pas tarder à arriver sur leur position. Ouais, effectivement, c'est reçu pour Bravo. Non, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Ouais, donc je disais, là, vous pouvez lever votre position, de toute façon vous venez de mettre vos clous, et de plus la sécurité ne doit pas tarder à arriver sur votre position. Oui, mais tant qu'il n'y a pas la sécurité, ou tant que le Cécile est tout seul, vaut mieux pas qu'on reste, non? Non, il n'y a pas de sommation pour le moment, donc s'il y aura des sommations, on ira directement sur CSI au pire des cas. À l'heure actuelle, ils veulent des négociations. Donc vous nous conseillez de aller à quel endroit sur l'X-Side, Red? Bah, il nous faut un négociateur, donc il faudrait Ah, vous voulez que ça soit nous? Affirme. Bah oui, nous on n'est pas là pour négocier, nous. Non, mais c'est vrai. Si on arrive. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il nous faut un négociateur. Ah non, mais attends, on est pas payé pour négocier, nous. Putain, on est payé pour tirer, nous. Donc c'est une arme lourde qu'il avait en main. Hein. Ouais, une arme automatique. Je crois que c'est une Zdar. Il est en tenue plongée. Non, non, il est un truc de grand-mère, un masque de grand-mère. D'accord. De bonne sœur. Ouais, donc c'est pour vous informer, la personne donc, qui est en train de braquer le bricorama a une arme lourde dans la main. Hein. Ok, merci, prenez vos précautions, on se dirige en position. Là c'est bien sûr, on entend un véhicule de police sérieux, je pense que c'est Bravo qui est en position. Vous confirmez Bravo? Ah, c'est confirmé. On part en sucette, on sait jamais. Ah, merci, comme ça on l'entend. Ok, bon, maintenant on peut faire le tour, nous en attendant, il y a le négociateur. C'est pas ça, si on fait le tour et que d'un coup il s'arrête de braquer et qu'il se barre. Il est parti où? Tenez-nous au courant de la situation, s'il vous plaît. On a décroché, on est actuellement en train de contrôler un véhicule qui a une conduite très dangereuse. Ah, si, pour le moment, on fait le tour de l'exit pour vérifier s'il n'y a pas de véhicule suspect. Tu dis que le négociateur vient de prendre contact avec la personne. Ah, bah, regarde s'il se barre, ouais. Y a pas de véhicule de fuite, c'est ça qui m'inquiète. Tu veux signaler qu'il n'y a pas de véhicule de fuite? Bah, de toute façon, j'ai pas signalé de véhicule du tout, hein, donc. Ah, Scar de Red. Allez, écoute, donc,
qu'on a fait le tour, il n'y a pas de véhicule de fuite. Donc un individu armé d'une arme lourde ainsi qu'un masque de bonne. Qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est le seul individu sur le lieu? Premier visuel, oui, c'est le seul individu, il a l'air d'être seul. Qu'est-ce que c'est perçu? Regardez, bravo. Allez, écoute, bravo. Vous avez fait le tour des plages pour vérifier s'il n'y avait pas un bateau? C'est une question ou c'est une confirmation? Ah, c'est une question. Allez-y, si vous voulez. Non, il a rien compris. Non, mais on est en train de négocier, donc c'est pour savoir si... Pardon. Mais que, comme on vous a dit, nous on est pas disponible pour l'instant, on va se rediriger sur votre position, mais on va prendre un peu de retard, on est actuellement en train de faire un contrôle. Bon, déjà... Attends, qu'est-ce qu'on a là-bas? Bon, ok. Ouais, pas de bateau. J'avais vu un bateau quand j'étais en hélico, mais il y avait une voiture de police devant dans la flotte. Le bateau était long, il était exprès de le pousser. On sert de nouveau disponible pour retourner sur position. Là-bas il est le bateau. Ah mais c'est celui d'avance. Et la voiture de police elle est dans le secteur là. Ah, elle est là. Ouais. Ouais, là. Attends, j'arrive pas à le mettre en fourrière là parce que. Ouais ça elle est dans la flotte, tu peux en rien faire. La largeur un dépanneur s'il se met dedans et qu'il ait le temps de. On n'a pas encore vu le côté du pont encore. On n'a pas un endroit. Pour le moment, on a fait le tour de la plage à l'excès de zéro bateau. Ok, c'est perçu. Bon, l'individu n'a pas l'air d'avoir de véhicule de fuite, donc du coup, il risque de négocier un véhicule de fuite. Rien sous le pont. On n'avait pas de bateau. Pas de palais. On reste là, hein. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. On a un visu derrière, là, on reste là-haut, et puis comme ça, moi, je vise la porte arrière, au pire. Là, je regardais, tu sais pas qu'il y en a un, entre-temps, qui s'est faufilé au-dessus de là. Ah, là-bas, si, Pax. Ah, ok. Pax, sous-préfecture. Garde-la, négociateur. Du coup, l'individu ne veut plus négocier vu qu'il voulait repartir normalement tranquillement et je lui ai dit que non. Du coup, il veut rompre les négociations et il nous laisse 10 secondes. Ok, c'est reçu, essayez de le couvrir. En besoin, on arrive sur position. Si l'individu s'engage à rompre les négociations, c'est qu'il est sûrement pas seul sur la position. Donc faites attention à vous, s'il vous plaît. C'est bien pris, donc du coup, je ferai une personne comme quoi on a 10 secondes et puis on. Du coup, il se passera ce qui se passera, ok? Ouais, c'est reçu. Red, mettez vos positions. Ouais, pour Red, on a vu un Pax sur le top ref. Hein. Ok, c'est perçu. Carte de CSI Alpha. Allez, écoute. Donc, du coup, de toute façon, CSI Alpha toujours sur sur le pont de l'accès avec un agent de sécurité en position. Ouais. C'est bien reçu. Oscar de Bravo. Allez, écoute, Bravo, ça fait 10 secondes, attention, sommation. Sommation. Qui s'est reçu? Actuellement, on est passé au niveau de son point. Ça descend, ça descend. Vas-y. Attends, arrête-toi là. Non, ça descend pas. Tout à l'heure, il parlait à son collègue. Donc faites attention. Je sors de l'autre côté, en fait. Il y en a un, la personne. Je trouve ça pas mal. Oscar. Allez, écoute. Ok, deux packs, toi, bref. Deux Pax préf, il y en a un qui vient de monter l'escalier. Ok, c'est reçu. Ouais, faites attention. À gauche, on a un tour, ouais, là. Préfecture, toi, ouais, confirmé d'abord.
Oscar ok, Lorraine. deuxième pack, je mets un point. Oscar toi, Lorraine. Écoute, ouais. Ouais, donc on a des packs, toi, préfecture sur les deux, hein, préfecture. Ok, c'est bien reçu. Donc les deux préfectures, on a un individu par préfecture, c'est ça? Affirmatif. Non. Ok, donc on, a actuellement, on aurait actuellement non, trois négatif. Individus, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a deux packs côté SFR préfecture et un pack côté préfecture là où on a les ordi. Ok, c'est marché en comptant le marqueur du coup. Je sors là, putain. Ouais. Attends, ce qu'on va faire, ça dit le bâtiment blanc ou pas? Faut que toi tu fasses sortir avec les fumes là. Ouais, non, on va d'abord s'occuper de celui plus éloigné. Écoute Red. Donc on va prendre le bâtiment où il y a un pack sans visuel pour le moment suivi. Que c'est meilleur sur Prime, on va prendre la mission. Oscar de Bravo. Allez, go, Bravo. Demande, du coup, j'ai une maison sur à droite du cybercafé. Est-ce que je demande l'autorisation de perquise ma propre maison, s'il vous plaît? Si comme vous le sentez, allez-y, vous avez autorisation. Merci. Ouais, t'as ce chopé hein, depuis l'autre tour. Hein. Transmuté. Donc affirmatif, deux individus au niveau maison, j'ai l'impression que ça redescend. Non, balance une lacry. Je veux pas balancer une lacry. Balance une ici, ça va faire effet. Oui, ça fait effet, ça fait effet. Le donateur à l'extérieur, ça fait effet maintenant. Oui, oui. T'es en protection Baskin? Ça nous a semé depuis la préfecture, j'ai abattu le parc. Oscar de Red. Allez, pour information, Paxtoa préfecture, ordinateur abattu. Si tu crois que si on descend de l'échelle, enfin si on saute de l'échelle, on se pète une patte ou... Ouais, on se fait assez mal. D'accord. Ce que je vais faire sinon, c'est... Non, ça, tu l'auras pas comme ça, parce que... Si, je le vois. Je le vois avec son petit sac à dos, là. D'accord. Je peux me mettre en bipied. Thank you.
derrière. Quel coin t'as dit? Ah ok, 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 c'est plus loin. Donc il se planque vraiment au fond. Ouais, vraiment, ouais. Et on sait pas où est passé le deuxième. Négatif, mais j'ai... Je vais essayer de descendre de l'échelle. T'as un pack, t'as toujours un visu sur lui. Je regarde un maximum, sauf que ça tire. Je descends. Ça marche, moi je regarde en visu. Vas-y, tu peux y aller, j'ai au cas où notre bac en bas. Hein. Oscar de Red. Elle écoute Red. Ça tire où exactement là? Parce que c'est pas nous qui tirons actuellement. Oscar de Bravo. Pour information, on tire pas non plus. Oscar de Bravo. Elle écoute. C'est nous, on tire sur le toit en face du Red, la toit préfecture. On a touché quelqu'un, mais il est pas mort, je crois. Bah, c'est bien au-dessus de Red, pour information, donc préfecture, on est actuellement. Clear, on va descendre et aller sur l'autre préfecture. Hein. Pour information, on a visuel sur l'individu au niveau d'une préfecture. Hein. Vu la portée de nos armes, je pense pas que ce soit très efficace. Arme lourde, hein, je confirme. Il attend quelqu'un qui monte à l'escalier, donc bah, tente rien. User joined your channel. Mais de toute façon, j'aurais vu si on a toujours les packs, je sais pas. Elle est là. Ok, ok. Ah, elle est là, il y a toujours un pack. C'est... Non, c'est le fumier en fait. Par contre, il faut faire gaffe, là, son collègue, mais je sais pas où il est passé. Parce qu'il y en avait deux là-bas sur ce toit-là. Ouais. Donc, est-ce que vous avez toujours visu sur les deux packs sur le toit ou pas? On avait visu tout à l'heure sur deux individus. Là on en a vu un, on a tenté des tirs, l'individu a réussi à se cacher, maintenant on n'en voit plus un seul sur le toit de la préfecture, mais on n'a pas un angle très bien. Enfin, on a pas un... Très bien, donc moi j'en ai aperçu un, donc il y en a toujours un. Ils parlent fort, hein, ils ont dans le bâtiment, on nous a signalé. Ok, c'est une merci pour l'instant, on n'a pas de visuel. Si on a un visuel, il rampe derrière les combis, hein. C'est l'individu sur lequel on a réussi de le faire. User left your channel. User joined your channel. Au niveau de la toit, bref. Ok, merci. Enfin, couloir, bref, pardon pour monter. User left your channel. User disconnected from your channel. User left your channel. Formation Alpha indisponible en transfert prison actuellement. Ok, c'est bien. Et là, t'es sur le temps, Alpha. User joined your channel. Tu
toi après. Ça se le fait en état. Grâce, préfect. Ah, ok, tout ce qui est, est-ce que le braqueur est à... Négatif. T'as vu, ça a bien marché là. Le rebond. Transmetté. Est-ce que le braqueur a été abattu, s'il vous plaît? Alors pour nous, 3 packs abattus, je pense dans le braqueur, il y en a un qui est abattu avec un masque de bonne sœur. Ok, c'est merci, ouais, on avait aussi un mec au niveau du toit, bref, avec un masque de bonne sœur. Ce qu'on va faire, on va essayer de s'approcher du bricot, depuis l'arrière. Parce que je suis pas au véhicule, je suis à l'arrière du bâtiment. Ok, j'arrive. Side est clear ou pas? Vous voyez ça va créer. On va repartir qu'il soit monté plus haut. Oui, j'ai rendu. Red de bravo. Est-ce que c'est clear ou pas après les 3 packs abattus? Alors pour le moment, on check encore Brico en lui-même, comptoir clear, et là on check juste la maison et après on vous transmet. Ok, c'est reçu. User left your channel. Juste patrouille encore dans la zone au cas où avec la voiture et on donnera l'autorisation après. Escar de raid. Bah écoute. Donc au niveau brico clear, on va faire juste 2-3 petits tours avec la voiture pour être sûr que la zone soit clear. J'aime quand t'as lancé des rôles sans accro. Par contre, le concessionnaire il a pu aller se cacher là-bas, le troisième. Là, le bateau. Parce qu'il y a les portes qui étaient ouvertes sur le côté. Et la porte centrale qui est ouverte aussi. Hein. Tu vas aller check. Là, on check. C'est vous? C'est bravo. Affirmatif, Alpha aussi arrivé sur secteur pour déposer un véhicule transfert prison. Si.
Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Hein, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Twitch. Le lien figure donc dans la description. Au-dessus, il y a quelques vidéos. Et bien sûr, de temps en temps, je suis en live dessus aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous avez regardé cette vidéo.